Allez, vas-y, attrape le mousqueton devant toi. Tu vas le tirer vers toi. Derrière toi, il y a l'image pour l'ouvrir. Et tu l'attaches à ton panté. C'est la boucle bleue. J'ai trop peur. Allez, 1, 2, 3. Ça va doucement, vas-y. Wouhou ! Un saut dans le vide qui sonne un peu comme un adieu au confinement. En cette fin mai, l'école semble loin, la nature reprend ses droits. Je suis venue aujourd'hui pour m'amuser, parce que ça fait déjà 3 mois que je suis en confinement et franchement ça fait du bien. Tu étais où en confinement, à l'appartement ? Oui, du coup ça fait du bien de sortir un peu et de prendre l'air. Prendre l'air au milieu des pins, c'est à nouveau possible pour les accros de Parc Aventure. À Véro, dans la vallée de la Gravonne, l'accrobranche a repris le week-end dernier. Tout un ensemble de mesures sanitaires a été mis en place. Avant chaque parcours, il va falloir se laver les mains et ensuite ils partent. Donc faire attention, s'ils ne sont pas dans la même famille, il faut que ça soit une seule personne par arbre, donc par plateforme. Sinon, s'ils sont en famille, ils peuvent quand même être deux. Voilà. Et après, on leur souhaite la bienvenue et puis qu'ils partent à s'amuser. On les entend d'ailleurs, ils s'éclatent. 1, 2, et je me lance. La reprise d'activité se fait par étapes. Les personnes travaillant sur le site sont passées de 9 à 4. Jusqu'au 1er juillet, le parc ne sera ouvert que les mercredis, samedis et dimanches. De toute façon, l'utilisation du matériel est régie par des obligations strictes élaborées par le syndicat des parcs Aventure de France en lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors les harnais, on a deux contraintes. La première, c'est de les faire reposer 72 heures avant réutilisation par rapport au textile. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est mousqueton, poulie, on doit les désinfecter avec un produit adapté justement au Covid et ainsi qu'aux bactéries et qui est aussi fongicide. Si les conditions redeviennent favorables, l'entreprise n'exclut pas de faire appel à 2 collaborateurs supplémentaires. Cela dépendra notamment de l'évolution de l'épidémie.